La clé de votre voiture est un élément essentiel pour démarrer votre véhicule et le protéger contre le vol. Mais que se passe-t-il si vous perdez votre clé ou si le système d'antenne du barrage tombe en panne? Comment faire pour vous programmer une nouvelle clé ou remplacer un calculateur défectueux? C'est là qu'intervient la mécatronique automobile, une discipline qui combine la mécanique électronique, l'automatique et l'informatique en temps réel. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Qu'est-ce que la mécatronique automobile? La mécatronique automobile est la science qui permet de concevoir, de réaliser et de contrôler des systèmes automatiques complexes dans le domaine de l'automobile. Elle fait appel à des connaissances et des compétences variées telles que la mécanique pour étudier les mouvements, les déformations et les équilibres des systèmes physiques, l'électronique pour concevoir et utiliser des circuits électriques et des composants électroniques, l'automatique pour réguler et optimiser le comportement des systèmes dynamiques, l'informatique pour programmer et communiquer avec les systèmes embarqués et les réseaux. La mécatronique automobile permet de réaliser des fonctions avancées telles que l'assistance à la conduite avec des systèmes comme l'ABS, le SP, le régulateur de vitesse adaptatif, etc. La sécurité passive avec des systèmes comme les airbags, les ceintures de sécurité, etc. Le confort et la performance avec des systèmes comme la climatisation, la navigation, le multimédia, etc. L'anti-démarrage avec des systèmes comme le transpondeur, le calculateur, la puce et prom. Qu'est-ce que l'anti-démarrage? L'anti-démarrage est un système de sécurité qui empêche le démarrage du moteur si la clé n'est pas reconnue par le véhicule. Il se compose de trois éléments principaux. La clé, qui contient un transpondeur, une puce électronique qui émet un signal codé. L'antenne qui capte le signal de la clé et le transmet au calculateur. Le calculateur qui vérifie le code de la clé et autorise ou non le démarrage du moteur. Le système d'anti-démarrage permet de réduire des risques de vol du véhicule, mais il peut aussi poser des problèmes en cas de perte ou de casse de la clé ou de défaillance du calculateur. Quels sont les secrets cachés dans la programmation des clés perdues? Si vous perdez votre clé ou si elle est endommagée, vous devez reprogrammer une nouvelle clé pour qu'elle soit reconnue par le véhicule. Pour cela, il faut disposer d'un outil de diagnostic et de reprogrammation qui se connecte au calculateur via la prise OBD Onboard Diagnostic. Cet outil permet de lire et d'écrire les données du calculateur, notamment le code d'anti-démarrage. Mais que se passe-t-il si le calculateur est lui-même défectueux ou s'il doit être remplacé? Comment faire pour conserver le code d'anti-démarrage du véhicule? C'est là qu'intervient un secret caché dans la programmation de clé perdue, le changement de la puce EEPROM. Qu'est-ce que la puce EEPROM? La puce EEPROM Electrical Eraser Programmable Read Only Memory est une mémoire électronique qui stocke les informations relatives au code d'anti-démarrage du véhicule. Elle se trouve à l'intérieur du calculateur d'anti-démarrage et elle est soudée sur une carte électronique. Elle peut être lue et écrite par un lecteur programmeur d'EEPROM. Si le calculateur d'anti-démarrage est endommagé ou remplacé, il faut reprogrammer la puce EEPROM avec le code correspondant au véhicule. Pour cela, il faut être capable de identifier le type et le modèle du calculateur d'anti-démarrage, extraire la puce EEPROM du calculateur défectueux, lire et sauvegarder les données de la puce EEPROM, programmer la puce EEPROM avec les données du véhicule, installer la puce EEPROM sur le nouveau calculateur d'anti-démarrage, tester le fonctionnement du système d'anti-démarrage. Ces étapes nécessitent des outils et des compétences spécifiques à mécatronique automobile tels que un fer à souder et un extracteur de puces, un lecteur programmeur d'EEPROM, un logiciel de diagnostic et de programmation, des connaissances en électronique, en informatique et en mécanique. En conclusion, la programmation des clés perdues dans l'automobile est un domaine qui requiert des connaissances et des compétences en mécatronique automobile. Elle implique les secrets cachés comme le changement de la puce EEPROM qui permet de résoudre des problèmes complexes. La mécatronique automobile est donc une discipline indispensable pour l'industrie connectée. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne.